Hello tout le monde, on est samedi. Je viens de clôturer le précédent vlog. Aujourd'hui, et ben le programme d'aujourd'hui, pas grand chose. Ce matin, j'ai rangé un petit peu la maison. Mais Swan est arrivée et elle m'a tout refait le bazar. Là, elle est à la sieste. On est allé récupérer Noah ce matin, donc il passe la semaine avec nous. Enfin, plutôt avec moi, parce que John il va travailler de nuit, donc lui il dort jusqu'à 13h, 13h30. Donc c'est moi qui vais m'en occuper le matin, donc il faudrait que je trouve des activités à lui faire faire. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui on est samedi, donc il est dehors avec son papa, ils sont en train de faire la cabane, je sais pas si vous le voyez. Je vous ai même pas montré au final le résultat de la cabane finie, je vous la montrerai tout à l'heure. Mais là ils sont en train de poser du polystyrène, puisque comme on a cassé la niche, et ben on s'était dit que ça ferait office de niche pour Smiley si jamais un jour mon père il doit partir en voyage ou quoi et qu'il peut plus nous garder le chien. Au moins on aura une solution de secours, donc ça fera de l'isolant en fait pour la cabane. Donc ils sont en train de faire ça. Ce matin moi j'ai fait tourner une machine, d'ailleurs il faut que j'aille l'étendre. La flemme, on n'a plus de sèche-linge hein, donc on est obligé de passer par l'étape étendage et c'est long, ça saoule. Sinon il faut également que je monte mon vlog. J'ai commencé à me mettre devant Grey's Anatomy. Ah, elle est réveillée. J'ai commencé à me mettre devant Grey's Anatomy et j'ai arrêté au bout d'un épisode et demi parce que je me suis dit que sinon j'étais partie pour toute la journée et c'est vraiment pas ce dont j'ai besoin. Je suis en train de me regarder mais j'ai plein de trucs au front, c'est parce qu'en fait quand je joue avec ma fille, eh bien elle me griffe. Donc j'ai des cicatrices de guerre. Bon bah en parlant de ma fille, elle est réveillée de la sieste, je vais aller la voir. Et après je vais aller étendre le linge et après je vais aller monter mon vlog. Et voilà, après je sais pas, on verra où la motivation et l'envie me mènent. C'est 5h, j'ai fait tout ce que j'avais à faire et j'avais envie de me motiver à sortir un petit peu. John est à la maison, donc il va pouvoir garder Swan et je vais sortir juste moi et moi-même avec ma petite voiture. Je vais aller juste vite faire Leclerc parce que demain on a invité chez un couple d'amis à nous et c'est aussi pour fêter son anniversaire. Donc voilà, il m'a prévenu jeudi et le temps de commander sur Amazon, je sais pas quoi lui prendre, ben j'ai loupé le coche. Du coup, ben, il faut que je lui trouve un petit quelque chose. Et puis sinon peut-être aussi un petit bouquet de fleurs, je sais pas trop, je verrai. Quoi qu'il en soit, je vais essayer de trouver ça. Et je vais peut-être aussi essayer d'aller faire un tour chez Stokomani, voir s'ils ont tout bâché ou pas. J'ai vu que c'était ouvert, donc ça doit être pour le rayon au chocolat, etc. Mais peut-être qu'il y aura des petites choses pas bâchées et voilà. Bon, je vais faire un petit tour quoi en gros. Et je vais aussi poster des chèques que je dois poster, faut pas que je les oublie. Je rentre de ma petite sortie. Je suis allée à Stokomani et j'ai pris cette petite petit sac isotherme là. Parce qu'à chaque fois qu'on part pique-niquer, j'ai jamais de sac pour emporter ma nourriture, etc. Donc bah, là je l'ai pris. Ouais, c'est ça, 5,99€. Tout était ouvert presque, hein. Il y avait juste les vêtements adultes, etc. qui n'étaient pas ouverts et les jouets. Et ensuite je suis allée à Leclerc et j'ai passé un long moment dans le rayon livre, parce que pareil les jeux de société c'était fermé machin. Et en fait mon ami m'avait parlé du fait qu'il s'était mis un peu à faire du batch cooking. Donc je voulais trouver le grand livre là noir, je crois, je sais plus de qui c'est l'éditeur, mais c'était le grand livre du batch cooking, je crois, mais je l'ai pas trouvé. Du coup je suis tombée sur ça, batch cooking libre, 1h max top chrono pour faire donc tous ces repas pour la semaine. J'ai longuement hésité parce que bon, les recettes ça a l'air, enfin c'est des recettes, moi j'aurais pas utilisé toutes les recettes. Mais lui, je sais pas si ça va lui plaire, j'espère que oui, hein, peut-être que ça pourra lui permettre d'avoir de nouvelles idées de recettes, ou voilà, peut-être que c'est des choses que lui il mange et que moi je mange pas forcément. Mais écoutez, il y a 50 recettes. Voilà, ça coûtait 9,95€. Donc écoutez, j'espère que ça sera bien. Et puis voilà, c'est vraiment un cadeau dernière minute avec ce qu'il y a d'ouvert quoi. Du coup j'ai passé un long moment dans le rayon librairie et je me suis fait envie, hein. J'avais envie d'acheter des livres mais je me suis dit j'ai une bibliothèque remplie de livres que je n'ai pas encore lu, donc je me suis raisonnée. Il y avait le dernier Agnès Ludig, là c'est une auteure que j'aime beaucoup, mais je me suis raisonnée. J'ai déjà plein de livres à lire, du coup ça m'a peut-être motivée à... Et surtout qu'en ce moment je lis moins, donc voilà, là ça va me motiver à reprendre une lecture. Il faudra que je la choisisse. Et puis sinon c'est 6h40, donc je vais bientôt faire manger, quoique j'ai les restes
de ce midi, ce qu'il y a noix en plus, faudrait que je fasse un petit truc. Et puis noix, j'ai fait un risotto en fait avec des oignons et des lardons et monsieur n'aime pas les oignons. Donc il va falloir que je lui fasse un truc, surtout qu'il est toujours dans sa cabane. Hello, on est mardi, je vous ai pas repris ni dimanche ni lundi parce qu'en fait on a été invité chez des amis. L'anniversaire de mon ami s'est très bien passé et il m'a prêté un jeu. Il m'a prêté le jeu Zelda que mon frère m'avait recommandé parce qu'il connaît un petit peu mes goûts en termes de jeux vidéo. Et il m'avait dit celui-ci pourrait te plaire, etc. Machin. Et eux, ils l'avaient sur la Switch en fait. Et ils y avaient déjà joué, donc il me l'a prêté. Je suis trop contente. Donc c'est The Legend of Zelda Breath of the Wild. Et j'ai commencé à le jouer. J'en suis vraiment au tout début, hein. J'ai dû faire 1% du jeu. Mon ami m'a dit là t'es parti pour 80-90 heures de boulot, j'allais dire, de jeu. Et donc, écoutez, pour l'instant j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que c'est quand même assez chronophage, ça prend du temps. Parce qu'en fait c'est un monde ouvert et vous avez des quêtes à réaliser et vous pouvez explorer tout le monde. Enfin, c'est... Pour vous rendre aux missions, il faut, vous avez une carte, donc il faut suivre le point. Mais le point, vous avez l'impression qu'il est juste à côté, mais en fait, il est à 3 km. Entre temps, dans ces 3 km, vous devez combattre je sais pas combien de monstres, de trucs, de récupérer des trucs. Enfin, bref, c'est vraiment, vraiment super. Donc, c'est sur la Switch et je me régale. Sinon, hier, on est allé manger chez ma belle-sœur. C'était super sympa aussi. Noah, il est resté dormir là-bas avec son cousin. Et Son, elle est là. On va récupérer Noah tout à l'heure. Enfin, elle nous le ramène. Et tout à l'heure, j'ai rendez-vous avec ma meilleure amie et des copains à elle pour faire une pétanque. Donc voilà, il fait beau aujourd'hui. Donc je vais emmener la petite. John, il dort encore parce qu'il travaille de nuit. Donc peut-être qu'il va nous rejoindre. On a rendez-vous à 14h30. En général, il se lève sur les coups de 13h, John. Donc peut-être qu'il va nous rejoindre. Je sais pas encore. Il faut que je vois avec lui. Mais voilà pour le petit programme de la journée. Ce matin c'est 10h30, je me suis levée, elle m'a levée à 9h. Et là je m'en vais monter une vidéo. Et il faudrait que j'aille faire les courses aussi, mais je pense pas que je les ferai aujourd'hui. Trop la flemme. Mais ouais, ça serait bien que... Parce que là on a vraiment plus rien dans le frigo. On est mercredi et je vais vous montrer enfin la cabane, qui est terminée depuis un petit moment, hein. Mais voilà la cabane, donc on avait mis plein de choses à l'intérieur, mais là on les a toutes enlevées puisque ils sont tous à l'intérieur. Et ils sont en train de... En fait, Jenny, il a mis du polystyrène pour isoler. Et ils sont en train de peindre le polystyrène. Donc là, Noah, il a fait des bonhommes, je crois. Et puis on a dessiné nos mains. Donc là, il y a les mains de Papa John, les mains de Swan. Ah. Swan, on lui a mis un sac plastique autour des habits. Prends ça doucement. Moi, en rouge là-bas. Et en bleu, c'est Swan, là. Tout est de Swan. Ouais, vous mettez Adrien, écris ton prénom, toi. Attends, je sors. Donc, écoutez, ouais, je vous montrerai artistes, le résultat là. Final tout à l'heure. Ça, c'est des artistes, mes enfants. Ça, c'est des artistes. Waouh, Noah, super ce qu'il fait, hein. C'est un artiste, Noah, aussi, hein. Trop beau, hein. Ce matin, je suis allée faire les courses et en fait, j'ai acheté plein de fruits pour pouvoir faire une salade de fruits là. Donc, je l'ai faite, on va manger ça d'ici pas longtemps parce que c'est déjà à 16h. Et en fait, hier, on était chez. Non, lundi, on était chez ma belle-sœur et elle nous a fait une salade de fruits. Et ça m'a tellement donné envie. Du coup, j'ai refait la même à peu près. Sauf que ma mangue, elle était pas bien mûre. Donc là, j'ai les petits bouts, les restes ici, je vais me les manger moi. Et ce matin, juste avant d'aller aux courses, Swan est tombée. Elle est tombée, mais peut-être la première contre le coin d'une porte. Elle m'a fait une grosse frayeur parce qu'en fait, elle était du coup par terre. Je l'ai retournée. Je lui ai enlevé ses cheveux et là, j'ai vu un œuf. Mais quand je vous dis un œuf, j'ai cru que son front, il était encastré. J'ai flippé. John, il était en train de dormir. C'était 11h ce matin, donc... Il était encore en train de dormir. Moi, j'ai jamais eu de... Enfin, c'est ma première gamine. C'est la première fois qu'elle se fait vraiment un gros bobo comme ça. Et j'ai paniqué. J'ai vu un œuf. Mais d'un coup, mais c'est sorti. Mais j'ai hurlé John et tout. Mais et lui, il a cru qu'en fait, elle s'était ouverte. Mais en fait, il me dit, ah, mais c'est juste une bosse. Ça va. Il m'a vachement rassurée. Parce que du coup, moi, j'étais en panique. Et j'ai même paniqué Swan. Du coup, je pense qu'elle me voit dans cet état-là. Ça l'a pas réconfortée du tout. Alors, j'ai essayé de prendre sur moi, mais c'est difficile quand vous voyez votre petit bébé
toute déformée avec une grosse bosse comme ça. Et en plus, c'est elle-même qui m'a dit quand elle, bon, elle pleurait, mais quand je l'ai prise dans les bras avant que John y sorte, elle-même, elle me disait c'est pas grave, c'est pas grave. Elle s'auto-rassurait parce que je suis une mauvaise maman. Parce que j'arrivais pas à la rassurer moi. Parce que moi, j'étais totalement paniquée. Je pleurais, j'ai hurlé en panique, quoi. John, heureusement, il était là parce que. Je lui dis, mais moi il faut appeler quelqu'un, il faut appeler le SAMU, il faut appeler, vous appeler quelqu'un. Il m'a dit, mais non, mais c'est juste une bosse, ça va passer. Et c'est vrai que c'est en train de dégonfler petit à petit, donc je vous montrerai tout à l'heure, mais elle va avoir un sacré bleu. Hein. Du coup, je suis partie après, trois quarts d'heure après, parce que ma petite, elle n'arrivait pas. Il y avait l'après-coup, je pense qu'elle elle a pas eu mal sur le coup, il y a eu l'adrénaline, mais après, il y a eu le fait qu'elle avait besoin de pleurer ou de se rassurer. Du coup, elle n'était pas dans un super état. Donc elle pleurait encore un petit peu. Et du coup après je suis partie faire les courses. Mais avant ça elle lui a donné de l'arnica en gélule. Et puis je voyais qu'elle pleurait encore un peu. Donc je lui ai donné du Doliprane. J'espère que j'ai bien fait. Mais elle voulait pas qu'on lui touche la bosse. Alors j'avais de l'arnica en crème. Elle voulait pas qu'on lui mette. Mettre du froid, ben elle voulait pas qu'on lui mette non plus. Mais quand je suis rentrée des courses, c'était déjà bien dégonflé. Donc heureusement, parce que franchement j'ai vraiment vraiment flippé ce matin. J'ai vraiment eu peur. C'est mon petit bébé quand même. Voilà, et sinon, hier, eh ben on est parti jouer à la pétanque. On est passé toute l'après-midi là-bas. J'ai rencontré des nouvelles personnes. C'était vraiment, vraiment chouette. Ça a fait du bien. On est rentré à 19h tout pile. Mais on est rentré, j'ai été crevée. Le fait d'avoir surveillé les deux gamins, d'avoir marché, d'être restée debout, chose que je fais plus depuis un petit moment là. Et ben ça m'a crevé, mais j'étais épuisée, j'avais des courbatures alors que j'ai pas fait de sport, mais j'avais vraiment des courbatures de fou. Je suis rentrée, j'étais toute cassée, j'ai fait à manger vite fait, j'ai fait des frites et des cordons bleus histoire de dire que quoi pour les gamins. Et après Swan, je l'ai couchée, elle a mis pas longtemps à s'endormir aussi parce qu'elle avait pas fait la sieste. Et puis le soir, je voyais que quand on était au parc, elle commençait un peu à chouiner pour rien, donc elle était vraiment fatiguée. Noah, lui, il est resté. Je me suis même endormie avant Noah, lui, il est resté un petit peu devant la télé. Moi, je me suis allongée dans le lit, j'ai regardé quelques vidéos, j'ai même pas allumé la télé. J'ai regardé quelques vidéos, je commençais à m'endormir et à un moment donné, je fais Noah, va te coucher, parce que moi, je m'endormais alors que lui, il était tranquillement en train de regarder la télé. Et bon, je suis quand même censée le coucher, être l'adulte qui me couche en dernier, quoi. Mais j'étais morte à 9h30, 10h, je crois que je me suis endormie. Capoute. Crevette. Donc voilà un petit peu le programme de ces derniers jours. Aujourd'hui je pense que je vais continuer à faire ma table parce que la peinture a séché, donc il faut que je filme la prochaine étape. Et il faut que je fasse tourner une machine parce que là ça déborde de partout. Et il faudrait, mais je pense que je vais pas le faire, mais il faudrait que j'avance dans mon devoir que je dois rendre. Là ça serait bien que je le rende cette semaine, et on est déjà mercredi et j'ai pas fait. Donc il faudra vraiment que j'avance ça. Voilà, rien de particulier de prévu aujourd'hui. Bon voilà, je flouterai son visage, hein, mais elle a une sacrée bosse sur le front. Vous voyez le... Et encore ça a vachement dégonflé. Non, c'est pas grave bébé. Encore ça a vachement dégonflé, mais ce matin ça faisait vraiment vraiment du relief. Et là ça fait bon bah... J'arrive pas à vous montrer correctement. Non, je touche pas. Mais vous voyez que ça fait bien... Bleu, violet, une sacrée bosse mon bébé d'amour. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Maman pas. C'est maman qui a paniqué ce matin. Oui. Au menu ce soir, un petit wok de nouilles de riz qui sont en train de tremper là. Et avec crevettes, oignons, petits pois. Voilà, j'ai passé ma vie à décortiquer les crevettes qui étaient congelées. Donc voilà, je pense que ça va être très très bon, j'adore ce repas. J'ai mis un peu de sauce soja aussi à l'intérieur. Voilà, j'attends que ça se ramollisse un petit peu. Et ensuite, je vais tout mettre dedans. Et basta, on va manger après. Et une crevette pour chacun. Et de une. Et de deux. Et de deux. Au moins, chacun a sa crevette. Bah, il n'y en a plus. J'ai déjà mangé. Il n'y en a plus, mon bébé. Moi, tu fais le tour. Hein. Non, il n'y en a plus, mon amour. Hello, on est jeudi. Alors ce matin, enfin aujourd'hui, parce que c'est déjà 16h30, la journée est déjà bien avancée, mais j'ai fait pas mal de petites choses. Ce matin, j'ai fini de monter ma vidéo et fait la miniature et tout, ça m'a pris pas mal de temps. Au final, ça m'a pris 1h30, ma vidéo où on déguste des spécialités russes avec John.
J'ai fait ça, après j'ai fait manger. J'ai également continué à faire mon projet créatif que je suis en train de faire. Mais bon, vous savez, à chaque fois, entre chaque étape, il y a des temps de séchage. Donc j'ai continué ma création. Il me reste plus qu'une dernière étape et après, normalement, elle sera finie. Donc je suis bien contente, ça avance petit à petit. On a mangé, là je vais me passer un coup d'aspirateur. Faut que je passe un coup de serpillière, mais ils sont dans la maison. Donc je vais attendre qu'ils soient tous dehors pour passer un coup de serpillière. Parce qu'en fait, John, il avait offert... montre ta voiture télécommandée, là. Ah oui, là. Non, la grosse. Il avait offert une voiture télécommandée à Noah il y a quelques temps. Et ils l'ont ressorti là. Et en fait, il en a une deuxième petite aussi. Voilà. Donc là, Noah, il joue avec celle-ci. Mais comme Swan, elle veut jouer aussi avec ça, et ben, il se bagarre. Et en fait, on avait aussi une deuxième petite comme ça. Sauf qu'il n'y a plus de piles. Donc John il est allé voir à la cave s'il trouve pas des anciens jouets avec des piles comme ça. Adrienne elle m'a acheté ça. Attends, mais je montrerai. Donc quand ils seront finis d'aller à la cave, je vais passer l'aspirateur et après ils vont jouer aux voitures, etc. Dehors, surtout qu'il fait beau. Ce matin ça a été une misère pour les calmer, les deux gosses là, parce que John il travaille de nuit, donc il dort sur le matin. Donc on doit pas faire de bruit et tout. Et en fait c'est pas possible. Ils font trop de bruit. Quand c'est pas Noah, c'est Swan. Quand c'est pas Swan, c'est Noah. C'est un calvaire les deux en même temps. Il est à côté de moi, il dit rien, mais parce qu'il sait que j'ai raison, hein. Il fait comme ça. Ensuite, à midi et demi, j'ai un élève qui a sonné, complètement oublié qui venait. La maison a été sans dessus dessous. J'étais en train de donner à manger à Swan. Il est arrivé devant ma porte. J'ai dit ah, mais oui, c'est vrai, j'avais complètement oublié. Donc bah du coup, j'allais pas le faire repartir. Donc je lui ai donné une heure de cours de piano. Et voilà, ma table elle m'a pris pas mal de temps. Là j'ai passé un coup d'aspi, je l'ai déjà dit, serpillière. Et voilà, donc Noah il est en train de faire un dessin là que je lui avais offert il y a quelques temps déjà. Je vais vous montrer. Donc voilà, c'est un truc que j'avais acheté chez Action. Vous avez une grande feuille comme ça où vous devez gratter et il y a de la couleur qui apparaît. Donc là il a choisi le perroquet, c'est censé donner ça à la fin. Et vous avez aussi le guépard. Donc là il gratte, il gratte, il gratte. T'en as pour un petit moment je crois hein. T'aimes bien? Ouais. Après ça va être trop beau, après on va l'afficher dans ta chambre hein. Ouais mais en hauteur parce que Swan elle va prendre le bâton. Bim, bim, ouais. Bim. Faut pas l'abîmer hein. Ou ses doigts si tu fais ça. Bah fais le pas. Donc c'est un principe de gratte-gratte là quoi. Et la couleur apparaît au fur et à mesure. Voilà. Ça l'occupe un petit peu le petit nono. John ce matin également il a mis son réveil à 7h30. C'est un fou, il est rentré, il a dû s'endormir sur les coups de 4h30, 5h. Et il a mis son réveil à 7h30 pour être au rendez-vous devant Lidl dès l'ouverture pour acheter ça. Donc c'est une trancheuse électronique. Il la voulait absolument, ça coûte une trentaine d'euros je crois. Et vous pouvez tout couper en fait avec. Il a essayé avec du saucisson et c'est vrai que les tranches elles sont vraiment très très fines. Donc voilà, il est super content de, de son truc. Et ça coupe le saucisson et ça coupe aussi apparemment le pain. Et ça se plie, ça prend vraiment pas beaucoup de place. Donc voilà, il est super content. Mais de toute façon, Silvercrest, hein, la marque de Lidl, elle est vraiment super. Bon, fin de journée. C'est le meilleur moment de la journée. Quand je vais me coucher, quand les gosses ont mangé, brossé les dents, pyjama, couché, Swan elle est encore à moitié en train de chouiner, donc voilà, c'est pas encore totalement fini, mais on y est presque, on y est presque. Toute seule, parce que John il part à 7h, toute seule à gérer les deux, c'est dur. Je sais pas si vous verrez, mais en ce moment j'ai des cernes, mais je suis crevée pourtant. Quoique non, Swan, elle me laisse pas trop dormir. Hein. Se lève entre 7h30 et 8h30 ces derniers temps. Hein. Elle m'habitue à dormir un petit peu plus longtemps. Donc c'est compliqué. Mais ouais, je. Mon arrêt, bon, je me serais pas trop reposée, quoi. Mais bon, ça a fait du bien quand même. Tout à l'heure, là, je naviguais sur YouTube. Et je suis tombée sur des vidéos de gens qui réalisent des puzzles de fou avec je sais pas combien de pièces, 24 000 pièces, 42 000 pièces. Et ça m'a trop donné envie de refaire des puzzles, sauf que ben, avec Swan c'est pas possible. C'est pas possible, elle toucherait à toutes les pièces, elle me les perdrait. Et ça me manque, j'aimais bien les puzzles, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais peut-être tourné des vidéos dans mes vlogs ou quoi où je vous montrais les puzzles que je faisais, mais j'aime bien faire les puzzles... bah 1000 pièces déjà pour commencer et j'aimerais bien en refaire mais là avec Swan c'est pas possible, c'est bien dommage mais ça m'a trop donné envie.
Donc je pense que je vais continuer à regarder ça ce soir et je pense que je vais m'endormir tranquillement devant. Voili voilou, ce vlog va s'achever ici. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à dimanche prochain pour le prochain vlog. Et puis à bientôt. Gros bisous.